Voilà. Ah, voilà, bonjour à tout le monde. God bless in Jesus' name. Je vois, c'est bon. D'accord. Bonjour. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. De ma blessure. Donc, connectons-nous, partageons la vidéo sur le maximum. Partageons la vidéo maximum. Bien-aimés, ne manquez pas vos programmes à la base internationale Riva Vira. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Qui est là? Est-ce qu'on peut me vérifier mon direct là? Avant les cœurs, envoyons les cœurs. Connectons directement. Prière de restitution de tout ce que l'ennemi nous a volé en direct. En direct, rapidement, rapidement, rapidement. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Si tu aimes quelqu'un, envoie-lui cette vidéo rapidement, s'il te plaît. Tu aimes quelqu'un, tu as des enfants en Europe, n'importe où. Envoyons le direct ici. Et si c'est votre première fois d'être connecté à cette page, s'il vous plaît, abonnez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Déjà, hier, pendant mon direct, j'ai expliqué. Est-ce qu'il m'a dit à 10h? C'est 10h déjà. Hier, avant de clôturer mon direct, j'ai expliqué que tous ceux qui allaient s'abonner à cette page et qui étaient connectés pour la première fois, bien peut-être depuis longtemps, étaient connectés à ma page, mais n'étaient pas abonnés et qui s'abonneraient, le Seigneur les bénirait et la double portion de toute prophétie donnée pendant l'émission d'hier devrait leur être accordée. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont abonnées hier? Par obéissance à cette injonction et cette instruction prophétique. J'ai expliqué que les grandes délivrances viennent parfois dans des instructions banales, voilà, de la part du Seigneur. Donc, ceux qui l'ont fait, soyez-en sûrs, le Seigneur vous a accordé la double portion de toute parole prophétique et de bénédiction qui a été proclamée hier. Que Dieu vous bénisse. Et si c'est votre première fois d'être là, vous n'êtes pas encore abonné à cette page, je vous en supplie, abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout appuyez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je serai en direct. Et je veux aussi vous exhorter, par la grâce du Seigneur, de liker la page et surtout de partager la vidéo au maximum. Ne soyez pas juste un observateur passif. Mais soyez actifs. Partagez la vidéo au moins à 10 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Dès que le live est lancé, immédiatement, vous likez, vous envoyez des cœurs, vous envoyez des pouces bleus, et puis vous partagez la vidéo à un maximum de personnes. En le faisant, le Seigneur vous bénira, vous serez en train de contribuer à cette œuvre. Vous seriez avec moi, vous serez avec moi, co-ouvrier dans le champ de l'évangélisation avec le Seigneur. Vous savez qu'il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire beaucoup de choses mauvaises. Mais nous, nous allons utiliser cela pour l'avantage du royaume de Christ et pour son avancement dans tous les domaines. Donc, nous attendons nos frères et nos sœurs. Envoyons des pouces bleus. S'il vous plaît, envoyez-moi les cœurs et envoyez aussi surtout la vidéo à tous ceux que vous aimez. Qui est là? Voilà, donnez-moi mon téléphone, j'ai laissé le téléphone. Donc, envoie les pouces s'il vous plaît, partageons la vidéo, nous attendons que nos bien-aimés se connectent. Nous attendons qu'ils se connectent, qu'ils se connectent. Voilà, thank you. Voilà, donc envoyons la vidéo au maximum de personnes. Si tu aimes quelqu'un, envoie-lui ce direct s'il te plaît. Envoyons la vidéo, invitons les gens s'il vous plaît. La vidéo, maximum de personnes. Si tu aimes quelqu'un, envoie-lui ce direct s'il te plaît. C'est une matinée spéciale. Oh, hallelujah.
Le Seigneur est vivant. Sa grâce est souveraine. Bénissons le Seigneur. Partage cette vidéo, s'il te plaît. Est-ce qu'on t'a volé quelque chose? Est-ce que tu penses que dans ta vie, il y a quelque chose qu'on t'a volé qui te manque? On va arranger ça ce matin. On est prophète, mes amis. On est prophète. Que tu crois en ça ou pas, on s'en fout. On est prophète. Dieu nous a oint. Il nous a appelés. Et il nous a donné l'onction pour libérer son peuple. On a l'huile sur nos têtes. On ne discute ça avec personne. On ne cherche même pas la vie de quelqu'un. Parce que nous sommes convaincus de cela, nous le savons. Voilà, donc nous le savons. Nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous a appelés. Nous savons qui nous portons en nous. Nous le savons. Sa fidélité est notre bouclier. Donc, bien aimé, ce matin, je proclame et la chose arrive. Je ne veux pas, excusez-moi, je ne veux pas discuter avec quelqu'un. Il dit car je veille sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. On ne discute rien avec personne. Il dit la parole de mes serviteurs, les prophètes. Donc, il nous a donné cette autorité en tant que prophète de prophétiser et la chose arrive. Et Dieu veille sur la parole que nous avons pour l'exécuter. Qui est là, s'il vous plaît? On me dit que la télé renvoie l'écho. Venez baisser le volume de la télévision, s'il vous plaît. Donc, mes amis, ce matin, je voudrais prophétiser sur toi. Je veux te parler à votre autorité. Dieu va te ramener dans ta destinée. Avant d'y arriver, il y a deux grands rendez-vous cette semaine. Et je voudrais que tu sois participant de ces deux rendez-vous. Ce vendredi, d'abord dans la ville de Yaoundé, c'est le premier programme, c'est-à-dire la première rencontre du mois de novembre. Heureux les ouvriers de la 11e heure. Tous ceux qui seront présents ce vendredi à la Bire à partir de 17h. Je dis encore heureux êtes-vous. Vous êtes les ouvriers de la 11e heure, les prémices de toutes les grâces et bénédictions que Dieu va déverser sur son peuple. Pendant ce mois de novembre, ça commencera ce vendredi à partir de 17h à la Bille. Ouais, c'est le genre de programme que tu peux même voyager pour venir participer à cela. C'est important. C'est-à-dire que c'est le premier fondement, c'est le premier jalon que nous allons poser et qui déterminera tout ce qui se passera par la suite. Donc, vous êtes heureux, vous qui serez là ce vendredi à partir de 17h à la Bille du côté de Kouaban. Voilà, je serai là pour ce culte inaugural du mois de novembre. Le premier culte, c'est très important. Et le premier dimanche aussi est capitalissime pour chacun d'entre nous. Dimanche à 7h30, nous serons là à la Bire en Kouaban. La gloire de Dieu se révélera et heureuses les familles qui seront présentes. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Je dis, heureuse la famille dont l'Éternel est le Dieu. Voilà, nous sommes en novembre. On est en novembre et la gloire de Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, là je pense que oui, complètement. L'écho est parti, là c'est bon. Donc la gloire de Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai expliqué hier que lorsqu'on parle du chiffre 11, le 11, c'est la restitution. On va essayer d'avancer ce matin. C'est la restitution. Et la vie de l'homme n'est rien. Il faut que chacun comprenne ça. Parfois, je suis dépassé. Je suis étonné. Je suis houspillé. Je suis ahuri à chaque fois qu'à l'église, je dis que un jour, je veux mourir. Je veux retourner vers mon Père Céleste. L'église crie. Ah non, c'est pas vrai, prophète. On n'aime pas ça, papa. Ne dites pas les choses comme ça. Attendez. Mes amis, c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut comprendre ça. Si tu ne penses pas à la mort, à ta mort, tu ne prépares pas ton dernier jour sur la terre. Je crains que ce jour ne te surprenne. C'est ça la réalité. Je crains que ce jour ne te surprenne en fait. Donc, c'est important de comprendre que la vie est éphémère, que nous sommes une denrée périssable. L'homme
est une denrée périssable. Ton corps a une date de création et une date de péremption. Il faut que les gens comprennent cela. Parce que c'est cette conscience-là qui t'aidera à racheter le temps. Quand la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ça veut dire que tu peux perdre l'éternité, ton éternité, parce que tu n'étais pas conscient de l'importance que ta mort doit représenter pour toi. La mort, mes amis, c'est le jour le plus important de ta vie, tout comme la naissance. On ne choisit pas où naître, mais on peut choisir ni comment naître, mais je peux choisir comment mourir en fait. Là, j'ai le choix. Soit je meurs en bon terme avec Dieu ou bien en mauvais terme avec Dieu. Donc, je peux réussir ma mort. Si j'ai échoué ma naissance, je peux au moins réussir ma mort. Et le début de ces choses, c'est la prise de conscience lorsqu'on fait les bilans. Nous sommes déjà en novembre. Novembre, mon ami, c'est que décembre est déjà là. L'année est finie. Mais tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui n'a pas de plan de vie. Tu n'as aucun projet pour ta vie. C'est-à-dire que il y a un adage espagnol qui dit « No vive para comer, pero comes para vivir ». C'est-à-dire que tu ne vis pas pour manger, mais tu manges pour vivre. Et je pense que c'est une sorte de dualité. Il y a une sorte de dualité, de hiatus idéologique là-dedans. Pourquoi je parle de hiatus? Parce que ça montre deux réalités qui peuvent faire deux vies. Il y a des gens qui vivent pour manger, d'autres qui mangent pour vivre. Donc, il faut que tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis en train d'accomplir ma destinée? D'abord, je suis qui? Parce qu'on va faire des bilans si on n'a pas pris conscience de qui on est. Je suis qui? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu comme indicatif? Quelles sont les recommandations, les instructions que Dieu m'a données? Quel est le livre généalogique prophétique de ma destinée? Quelles sont les choses que Dieu a écrites à mon sujet que je dois accomplir? Si tu ne connais pas ça, c'est normal que tu vives comme un animal qui n'a pour but que de se reproduire, de manger et puis quelques temps de loisirs et puis c'est tout. Mais les vrais hommes, les vrais gens, les vraies femmes ne vivent pas sans but. Non, ils ont un but. Quand une journée se lève, tu as déjà un programme pour ta journée. Chaque instant compte pour toi. Voilà pourquoi David a dit « Apprends-moi à compter mes jours ». Apprends-moi à compter les jours de ma vie. Apprends-moi à compter mes années. C'est très important pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui veut réussir du moins, pour quelqu'un qui veut donner un sens à sa vie. Vous savez, soit vous vivez, vous mourrez comme si jamais vous n'avez vécu, soit vous vivez et vous laissez votre nom en héritage aux générations qui viennent. Il y a des gens qui sont morts, on n'en parle pas, on les a oubliés. Ils sont des millions qui meurent, on n'en parle pas. Leur souvenir est oublié, est enterré avec eux. Mais il y a des personnes que la mort a rendu éternelle au milieu des vivants. Leur mort les a fait entrer dans le panthéon des légendes. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Ils sont devenus plus puissants, plus présents dans leur mort que dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont donné un sens à leur vie. On ne peut pas donner le sens à sa vie sans comprendre le mystère des temps. Le temps, il est capital, il est capitalissime dans l'existence de toute personne qui veut donner un sens à sa vie. Donc, tu dois te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je vis. Pourquoi est-ce que je vis? Ça, c'est d'abord important. Et je peux vous le dire avec assurance que la majorité des hommes, même dans l'église, demandez-leur pourquoi vous vivez. Beaucoup n'ont pas encore retrouvé le pourquoi de leur existence. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils vivent, pourquoi Dieu les a créés, pourquoi ils ont atterri sur cette terre, sur la planète Terre. Beaucoup ne connaissent pas. Les gens font ce que j'appelle la navigation à vue. C'est-à-dire que où le vent les amène, ils s'en vont. Mais l'apôtre Paul dira que je dis, ne vous laissez pas entraîner par tout vent de doctrine. Ne vous laissez pas entraîner par tout vent de doctrine. Mais en cela, il y a une vérité capitalissime pour le succès dans la vie et dans son existence personnelle. Ne vous laissez pas entraîner par tout vent de doctrine. Donc ça veut dire que celui qui n'a pas de but est entraîné par tout vent de doctrine. Ça veut dire que sa vie n'a pas de sens et ce sont les événements qui donnent un sens à sa vie. Or, celui qui connaît le but de son existence donne un sens aux événements de sa vie. Celui qui n'a pas de but, les événements donnent un sens à sa vie, donnent à sa vie son sens. Tandis que celui qui connaît qui il est, où il va, d'où il vient, donne un sens aux événements de sa vie. Ouais. Donc, c'est important pour moi de partager cette vérité avec vous. Nous sommes en novembre. Tu te poses la question. Qu'est-ce que j'ai réalisé en cette année?
Regarde ton âge. Fais le ratio entre ton âge et le temps que tu as déjà vécu et les autres personnes de ton âge qui ont quand même accompli certaines choses que tu n'as pas encore accomplies. Et tu te poses la question, à mon âge, qu'est-ce que j'ai fait de mon année 2022? De janvier à novembre, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si ça n'a pas marché, qu'est-ce qui est à l'origine du fait que les choses n'aient pas marché pour moi? Parce qu'il faut connaître l'origine de ton blocage pour le résoudre. Celui qui ne connaît pas l'origine de son problème ne peut pas voir la solution à son problème. C'est une vérité de la palisse. Et c'est tout comme demain vous partez rencontrer un médecin et il ne connaît pas de quoi vous souffrez, il vous donne des ordonnances. Mais mes amis, ils vous empoisonnent. Je me souviens, il y a de cela quelques temps, quelques années, je suis allé rencontrer un colonel docteur. Voilà, donc je l'ai rencontré et il devrait se charger de moi. Quand je suis arrivé, je lui ai expliqué un peu ce que je ressentais. Et il m'a expliqué, il m'a donné un bocal, c'est-à-dire il m'a dit de boire 1,5 litre d'eau. Et je l'ai fait. Il m'a dit, quand vous auriez envie d'uriner, vous venez dans telle salle, il y avait un appareil, il m'a dit d'uriner là-dedans pour voir la vitesse des urines. Ce que j'ai fait. Donc, je suis arrivé et puis je suis entré et j'ai uriné dans l'appareil. Et après, il m'a reçu dans son bureau et il m'a dit, vous avez un début de prostatite. Et il m'a dit que votre prostate a gonflé et il m'a parlé d'une hypertrophie de la prostate. Il m'a dit, vous avez une hypertrophie de votre prostate. Et donc, sur place, il m'a fait une ordonnance, une longue ordonnance. Et il m'a dit, allez directement en pharmacie. Heureusement que vous êtes sage. Vous êtes venu rapidement consulter. Et il m'a dit, achetez ces comprimés, suivez le traitement pendant tel nombre de mois. Après, vous revenez, on va encore revérifier. Et quand je suis sorti de son bureau, la première chose que j'ai faite, j'ai d'abord jeté l'ordonnance en brousse. Et j'ai appelé ma fille qui me l'avait recommandé pour lui dire, ça c'est un faux docteur. Il fait du charlatanisme médical. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que vous ne pouvez pas me dire que j'ai une hypertrophie de la prostate sans faire une radio ou une échographie de parties molles. Je dis, ça n'a aucun sens. À moins qu'il ne soit prophète et que ce n'est pas des visions prophétiques qu'il a vu ma prostate. Il a vu la prostate comment? Tu ne peux pas uriner et on voit la prostate, on voit une hypertrophie de la prostate dans tes urines. Alors j'ai demandé de faire l'échographie de parties molles. On a vérifié, les résultats sont sortis. Ma prostate n'avait aucun problème. Donc, vous vous imaginez que si je n'étais pas quelqu'un instruit, ayant quand même une petite base dans les connaissances médicinales, alors je me serais engagé dans ce traitement qui, en réalité, aurait donc causé une véritable hypertrophie de ma prostate. Ouais. Donc, c'est la même chose avec la vie. Il faut faire attention, mes amis. La vie est brève. Ta vie, là, est brève. C'est ça que tu dois être jaloux. Fais le bilan de ta vie ce novembre. C'est la onzième heure. La grâce de la onzième heure est ici. Les choses que janvier t'a volées, les choses que février t'a volées, les choses que mars t'a volées, les choses qu'avril t'a volées, parce qu'à chaque mois, il y a une bénédiction. Laissez-moi vous présenter le mystère des années. Une année a 12 mois et ce n'est pas fortuit. 12 mois, ce n'est pas fortuit. Ça a quelque chose à voir avec les portes de la Nouvelle Jérusalem. Pour ceux qui ont essayé d'étudier un peu l'eschatologie. Ça a quelque chose à voir avec les portes de la Nouvelle Jérusalem et avec la production des fruits de la vie par l'arbre de la vie qui est au centre de la ville. Qui produit son fruit tout au long de l'année, 12 fois. Ça veut dire chaque mois, cet arbre produit du fruit qui donne la vie au peuple de Dieu et dont le feuillage, les feuilles servent à la guérison des nations. Donc vous comprendrez que chaque mois, il y a une bénédiction
des bénédictions qui sont produites en quantité industrielle et massive et divine. Mais cependant, le diable fait tout pour que tu ne puisses pas jouir de ces bénédictions-là. Maintenant, est-ce qu'il y a les bénédictions de janvier, tu les as? Les bénédictions de février, est-ce que tu les as? Mars, avril, mai, juin, juillet. Est-ce que tu ressens quelque part que non, je devrais faire telle chose? Je n'ai pas fait ça. J'ai échoué. Je devrais avoir telle élévation. Je n'ai pas eu. J'ai échoué. Quels sont les domaines de ta vie, des bénédictions, des opportunités que tu as manqué et que tu crois au fond de ton cœur que cela te revient de droit? Pardon, partageons la vidéo si je vous en prie pour aider les gens. Alors, mets-moi ça en commentaire. Si c'était finance, tu dis finance. Si c'est sur le plan sentimental, mets ma vie sentimentale. Si c'est ton ministère, tu sens que tu n'as pas atteint le niveau que tu devrais atteindre, dis c'est le ministère. Si c'est dans ton mariage, tu n'arrives pas à t'en sortir, dis mon mariage. Quelles sont les bénédictions, les grâces qui t'appartiennent normalement, mais que le diable t'a volé? Bien-aimé, je t'en supplie, par les compassions de Christ Jésus, notre Seigneur, mets-moi ça en commentaire. Tu es en train d'écouter un prophète. Tu écoutes un prophète. Je n'ai pas besoin de faire les commentaires sur mon ministère. Vous le savez. Et je pense que c'est pour cela que vous êtes abonné à ma page et que vous êtes à tous mes directs. Parce que vous savez que si je dis une chose, la chose arrivera. D'autant plus que lorsque le Seigneur m'appelait, il m'a dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Dans le ministère, on ne discute, je ne discute rien avec personne. Non, reste tranquille là parce que mes amis, nous savons qui nous sommes. On sait d'où on vient, on sait où on va. Nous savons où nous sommes. Donc c'est important. Fais-moi le bilan dans le commentaire, mon ami. Fais-moi. Prends le temps. N'est pas de paresse. Ne lambine pas, ne lésine pas. Non. Mets en commentaire. Tu es en train d'écouter un prophète. Une seule parole que je veux déclarer. Le Seigneur a dit qu'il veille sur la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Ce n'est pas les blagues. Ouais. Dieu va le faire pour toi. Il y a une notion de restitution. Et vous savez que le thème de notre mois, Seigneur, restitue ce que l'ennemi m'a volé. Voilà le thème du mois-ci, de novembre. C'est le mois de la restitution divine sur tout ce que l'ennemi nous a volé. Mais le thème du mois, Seigneur, restitue dans ma vie ce que l'ennemi m'a volé. Donc, s'il te plaît, mets-le. Dieu est le seul qui restitue le temps perdu. Et quand je parle du temps perdu, il faut que les gens comprennent quelque chose. Dans le mystère du temps, peut-être demain je vais enseigner sur le temps, ou vendredi, ou dimanche, je vous enseigne sur le mystère du temps, pour que vous compreniez. Le temps est un emballage qui contient le bien et le mal. Ça veut dire qu'il contient des projets. Ces projets peuvent être de Dieu, et d'autres sont de Satan. Mais tout ça est emballé dans le temps, et ça vient à nous. Cela vient à nous. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez dire, ah, l'année passée, en février, j'ai eu une femme que j'allais épouser. C'était une très belle femme, une bonne femme, belle de cœur. Mais cependant, j'ai perdu cette bonne personne dans ma vie. Je l'ai perdue. Comment je vais faire, oh Seigneur, pour récupérer cette femme? Comment je vais faire, Seigneur? C'est que le jour où cette femme, vous l'avez rencontrée, le temps l'a amenée à vous. Parce que le temps est le train qui porte les circonstances. C'est le canal qui porte les événements qui nous font. Je répète, le temps est le canal qui porte les événements qui nous font. C'est-à-dire, le temps est le tisserand de notre destinée. Donc, il y a des choses qui sont arrivées, des opportunités que tu as manquées. Mais le temps-là est passé. Et ça fait que comme le temps est passé, tu ne peux plus retourner en arrière récupérer ces choses parce qu'elles font partie de ton passé. Voyez. Mais cependant, la bonne nouvelle, c'est quoi? Si aucun homme sur terre, aucun marabout, aucun prophète, aucun homme de Dieu ne peut faire un analepse, ça veut dire un flashback, un retour en arrière, pour rectifier les erreurs du passé et récupérer ce qu'on a perdu dans le passé, notre Dieu est le seul à détenir le monopole, de ce pouvoir. Dieu peut te ramener dans le passé, te faire récupérer une chose dans le passé que ton ennemi t'avait volée. Il est le seul qui peut le faire. Il peut le faire. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Parce que avant de prier, il faut que tu comprennes. Il te donne un mystère sur la puissance de la restitution divine. Comment Dieu est capable de te ramener en arrière, ramasser toutes
toutes les grâces, toutes les bénédictions qu'on t'avait volées là. Ramasses. De janvier, tu ramasses. Février, tu ramasses. Mars, tu ramasses. Avril, tu ramasses. Mai, tu ramasses. Juin, tu ramasses. Juillet, tu ramasses. Août, tu ramasses. Septembre, tu ramasses. Octobre, tu ramasses. Novembre, tu ramasses. C'est la 11e heure. Les bénédictions de la première heure jusqu'à la 11e heure. On va récupérer cela. Dieu seul peut le faire dans ta vie. Si tu crois, tu dis amen, je crois. Tu mets ça en commentaire. Simplement, amen, je crois, où tu envoies les cœurs. Et les pouces bleus, quand tu le fais, ça veut dire que tu dis amen. La parole fertilise ta vie immédiatement. Quand je suis en train de parler là, les gens sont en train d'être restaurés. Il y a des miracles extraordinaires qui sont en train de se passer. Oui, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, le travail, le ministère, ta vie spirituelle avec le Seigneur, il y a des miracles qui sont en train de se produire pendant que je parle. Parce que quand un prophète parle, Dieu est occupé à mettre, c'est-à-dire à exécuter la parole qui sort de son serviteur. Si tu as la foi, tu dis « Amen, je reçois » en commentaire et cette parole vient vers toi. Alors, je disais que, est-ce que tu crois ce matin? Soyons sérieux, hein? Concentre-toi, écoute-moi bien. Est-ce que tu crois au fond de ton cœur que ce que je dis là va s'accomplir dans ta vie? Tu dis « Je crois ». Est-ce que tu crois dans ton cœur, au fond de ton cœur, que si je prophétise ce matin, le Dieu des esprits des prophètes te visitera et sa main te touchera et l'impossible deviendra possible dans ta vie. Réponds-moi en commentaire s'il te plaît. Est-ce que tu crois que ton Dieu, qui est mon Dieu, le Dieu que nous servons avec persévérance dans les jours bons et mauvais, peut te faire rentrer en arrière, récupérer toutes les bénédictions de cette année que tu as perdu et même que tu as perdu dans le sein de ta mère? Est-ce que tu crois que notre Dieu a la capacité de faire cela pour toi, pour tes enfants, pour ta famille? Tu dis en commentaire, amen, je crois. Et il en sera ainsi dans ta vie, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi vous montrer une chose pour étayer mon propos. La Bible parle d'un livre, qui est un livre très important dans les Écritures, le livre de Job. Pour ceux qui ont lu le livre de Job, vous verrez, la Bible dit que Job était marié à sa femme, et ils avaient 10 enfants. Et tous les 10 enfants étaient adultes. Donc on suppose, à partir de ce moment-là, que Job et sa femme n'étaient pas des jeunes gens. Non, ils avaient 10 enfants et les 10 étaient déjà adultes. Là, tu comprends que, oh, la gloire de Dieu est ici, la restauration. Père, l'onction de restauration dans leur vie, dans nos vies, pendant ce mois de novembre. Pendant que je parle, Dieu est en train de changer ton vêtement spirituel. Dieu est en train d'enlever la honte de ta vie. Dieu est en train d'enlever la maladie de ta vie. Dieu est en train d'enlever la pauvreté de ta vie. Dieu est en train d'enlever la malédiction de ta vie, la limitation de ta vie. Dieu est en train de changer les ténèbres de ta vie en lumière. C'est ce que j'ai vu. Hein? Tous ceux qui sont connectés, Dieu est en train de les toucher. Dieu est en train de les toucher. Est-ce que tu crois que Dieu change le vêtement de ta vie pendant que je suis en train de prêcher sa parole, parler en son nom? C'est même pas une prédication, c'est une prophétie que je t'apporte. Je t'annonce ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Si tu crois en cela, ouvre ton cœur, ouvre la porte de ton cœur et laisse notre Dieu entrer et tu seras surpris. Le mois de novembre ici ne va pas finir sans que tu n'aies récupéré toutes tes bénédictions de janvier jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas entrer en 2023 comme ça, mes amis. Personne ne va pleurer. Tous ceux qui sont abonnés à cette page, tous ceux qui écoutent mes directs, tout de près comme de loin, quel que soit le pays. Vous savez, dans le ministère, si Dieu fait des choses inouïes, des miracles inouïs, allez revoir le culte de famille de la semaine passée. Des choses puissantes, inouïes, que Dieu a faites au milieu de nous. Donc, les gens sont visités, les ministères sont visités, les foyers sont visités, les carrières sont visitées. Les entreprises sont visitées, les projets sont visités. Comme je parle, Dieu donne à chacun la portion de grâce dont il a besoin d'après ses besoins spirituels. Ce n'est pas les yeux, mes amis. Avant le direct, si tu vas ressentir quelque chose dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, papa, vraiment, car depuis que je suis arrivé, ma vie a changé. Les choses vont. J'ai un fils qui est venu ici hier pour me dire, papa, les déclarations prophétiques. Je me suis connecté, j'ai fait des offrandes. Aujourd'hui, je suis PDG, j'ai mon entreprise à moi. Il veut me monter. Je lui ai dit, je viendrai bénir ton entreprise. Il m'a monté le bureau. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Nous déclarons et ta vie avance. Nous déclarons et les événements de ta vie deviennent glorieux.
Nous déclarons et tu déménages de la honte à la gloire. Celui qui dit Amen, le Seigneur le fait. S'il vous plaît, envoyez-moi les cœurs et les pouces bleus. Envoie-moi les cœurs et les pouces bleus pour dire que tu es d'accord avec moi. Donc, j'étais en train d'expliquer sur la puissance de l'onction de la 11e heure. Celle du 11e mois, qui est l'onction et l'alliance de la 11e heure. Lorsque la Bible parle de Job et de sa femme, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient 10 enfants qui étaient adultes. 10 enfants adultes, parce que chacun avait sa maison. Et ils se rendaient visibles les uns les autres. Sur cette base, nous savons qu'ils étaient déjà indépendants et adultes. 10. Bon, quand vous regardez un couple qui a 10 enfants adultes, mes amis, vous comprenez qu'ils sont âgés. Ils sont au moins, au minimum, dans la soixantaine. Je dis encore, au minimum, dans la soixantaine. Parce que je ne pense pas qu'une dame de 30 ans, 40 ans, peut faire 10 enfants et qu'ils sont majeurs. Scientifiquement, c'est impossible. Même sur le plan des probabilités, c'est impossible. Donc, nous sommes d'accord qu'ils étaient minimum dans la soixantaine, 60 quelque chose d'années, que soit l'homme ou bien la femme. Mais cependant, la Bible dit qu'ils ont perdu les 10 enfants. Ils ont perdu tous les 10 enfants. Les ont perdus. Et après cela, ayant tout perdu, le Dieu de la 11e heure s'est souvenu de Job et de sa maison. Le Dieu de la 11e heure s'est souvenu de leur malheur. Le Dieu de la 11e heure s'est levé en leur faveur. Le Dieu de la 11e heure a parlé en leur faveur. Le Dieu de la 11e heure parle sur toi. Le Dieu de la 11e heure se souvient de toi, se souvient de tes enfants, se souvient de ta situation. Il est le seul à te racheter. Il est le seul à te ramener dans le passé pour te faire récupérer tout ce qui t'appartenait et que l'ennemi t'avait volé. Combien d'enfants avaient été volés à Job et à sa femme? 10. Combien d'enfants Dieu leur a restitué? 10. Il est le seul qui soit capable de le faire. Maintenant, nous devons être d'accord sur un fait. C'est que les 10 premiers enfants sont issus de leur jeunesse. Mais les 10 derniers enfants sont issus de leur vieillesse. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que pour que la femme de Job et Job puissent avoir dans leur vieillesse 10 autres enfants, il a fallu que Dieu renouvelât le corps de Job et de sa femme. Dans le cadre de sa femme, dans le cadre de sa femme, ça veut dire certainement, Dieu lui a donné l'utérus d'une fille de 16 ans. Ah oui! C'est ça en fait, la réalité, c'est ça le sous-entendu. Dieu lui a donné l'utérus d'une fille de 16 ans. Dieu lui a donné le col d'utérus d'une fille de 16 ans. Dieu lui a donné la vigueur d'une jeune femme de 16 ans ou 18 ans. Dieu a rebâti son corps parce qu'elle a accouché ses enfants au-delà de la ménopause. Dieu lui a donné la victoire sur la ménopause. Dieu a brisé les lois de la nature parce qu'il est le Dieu de la 11e heure. Il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui se souvient de son alliance et de ses promesses. Il a fait dans la vie de cette femme, de cet homme, parlant de Job et de sa femme, ce qu'aucun homme ne peut faire. Il est retourné dans leur passé. Il a récupéré les 10 enfants que l'ennemi leur avait volés. Et il leur a restitué leurs 10 enfants et le bonheur et leur richesse. Tout ce que le diable avait volé à Job, Dieu a remis à Job et à sa femme. Tout. Il est capable, le seul capable de le faire. Dans le mariage que tu as perdu, Dieu peut ramener ce mariage. Je crois en ça. Les opportunités financières que tu as eues dans ta jeunesse, Dieu peut ramener cela. Oui. Le travail que tu as perdu, le Seigneur peut ramener cela. Il est le Dieu de la 11e heure. Lui seul sait faire cela. Lui seul sait faire cela. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, fais dans nos vies ce que toi seul sais faire. Fais dans ma vie ce que toi seul sais faire. S'il te plaît, mets-moi la phrase prophétique ici en commentaire. Seigneur, fais dans ma vie ce que toi seul sais faire. Dieu va accomplir un miracle dans ta vie. Que même tes ennemis vont confesser que ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Est-ce que tu crois ça avec moi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Donc, ne te dis pas, tout est perdu. Parce que humainement parlant, la femme de Job et Job ne pouvait plus faire des enfants. Et il s'est fatigué dans leur vieillesse. Il s'est fatigué. Il ne pouvait plus travailler comme dans la jeunesse. C'est foutu quoi. L'espoir était perdu. Je veux dire à quelqu'un qui est au carrefour du désespoir, assis seul sur les bancs publics avec le désespoir, dans le nom souverain de Jésus, ça n'est pas encore terminé avec toi. Ton cas
n'est pas encore fini. Laisse tes ennemis le conclure, mais Dieu n'a pas encore conclu ton cas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le Dieu de la seconde chance se souvienne de toi maintenant. Qu'une seconde chance te soit donnée. Comme à Job, comme à son foyer, comme à sa femme. Que Dieu te visite dans tes besoins les plus profonds, dans tes manquements les plus désastreux. Que la main de Dieu te visite et te touche au nom de Jésus. Tes enfants sont visités. Nous allons faire quelque chose. Je vais prier avec toi. Tu vas juste tendre la main comme ça. Tu tends tes mains. Si vous conduisez, arrêtez-vous, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas d'accident. L'onction de la seconde chance, de la 11e heure, va descendre dans nos vies maintenant. Et Dieu va se manifester. Il y a des gens qu'on va appeler. Si on avait retenu ton argent dans le passé, on a volé ton argent. Quand je vais prophétiser, déclarer, ton téléphone sonnera, on va t'appeler. Et s'il vous plaît, dimanche, inscrivez-vous pour le témoignage. Je vous en prie, pour ceux qui ont la possibilité d'adorer avec nous. Ceux qui sont à distance, envoyez-nous vos témoignages par message. Donc, je vais prophétiser et déclarer maintenant. Tout ce qu'on t'a volé, l'Éternel va restituer cela. Dieu va le faire. Il manifestera cette grâce. Il manifestera cette puissance. Il manifestera cette onction. Le Dieu de la seconde chance. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un, ne sois pas désespéré. Toute personne malade qui est en train de me suivre, jadis, tu étais en santé. Aujourd'hui, tu es malade. Ça veut dire que tu as été dévasté par la maladie. Ne t'en fais pas. L'époque de la santé reviendra. Le Seigneur restituera les années que la maladie t'a dévoré au nom souverain de Jésus de Nazareth. Peut-être vous êtes célibataire, vous attendez un miracle de Dieu. C'est une bonne chose. Quelqu'un qui veut se marier, il faut le respecter. Parce que la plupart des hommes et des femmes aujourd'hui préfèrent mener une vie de volupté, une vie mondaine. Mais lorsque vous rencontrez un jeune homme, une jeune femme qui disent « Je veux me marier parce que je ne veux pas mener une vie de désordre sexuel », respectez cet homme, respectez cette femme. Et c'est ce que nous allons faire. La main de Dieu sera sur toi. Dieu te donnera un mari. C'est ton droit le plus absolu. Et c'est le genre de sujet de prière que j'aime. C'est l'écriture, c'est la loi et les prophètes. Il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, si vous êtes célibataire, préparez-vous. Avant la fin de novembre, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu te fait rencontrer ton âme sœur. C'est-à-dire l'homme de ta vie, la femme de ta vie, pas les bandits. Je ne prie pas pour que tu aies rencontré, tombé sur un bandit. Non, je prie et Dieu te fait croiser l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Il y a une grande bénédiction, une grande grâce qui doit reposer sur toi. Et Dieu, oh là là, Garutawa Anna Barus, l'onction du Seigneur est sur moi. J'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Toute terre aride sera arrosée. La terre aride dans ta vie est arrosée au nom souverain de Jésus. Dans mon esprit, je veux parler aux célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires, un parent qui a des enfants célibataires, qui attendent de Dieu une visitation? Est-ce que dans la maison où on est en train de me suivre maintenant, il y a un célibataire? Lève ta main, dis je suis célibataire. Dis simplement je suis célibataire. Ou écris en commentaire si tu es en train de me suivre en direct. Écris je suis célibataire. La main de Dieu te visite. L'Éternel me parle et j'entends l'Esprit de Dieu me parler. Je ferai un miracle dans la vie des célibataires qui ont la foi en mon nom, qui étourdira les oreilles de leurs ennemis. Oh là là, oh là là, tu ne me comprends pas. Esther était célibataire. Mais son mariage a étourdi les oreilles de ses ennemis. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. Longtemps après, on parle d'elle. Et on parlera d'elle. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, on parlera d'elle. Même dans le royaume des cieux, dans la Nouvelle Jérusalem, on parlera du mariage d'Esther. Un mariage royal. Je prie au nom de Jésus. Toute famille où l'autel du célibat s'est enraciné, a pris de l'âge, a pris des rides. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère ta famille de cette malédiction du célibat. Je libère ta famille de mauvaises rencontres sentimentales. Je libère tes enfants de toute déception amoureuse au nom de Jésus. Jeune femme, l'Éternel nettoie les larmes de tes yeux aujourd'hui. Jeune homme, l'Éternel déchire le manteau de la malédiction du célibat dans ta vie de déception sentimentale au nom de Jésus de Nazareth. Et j'ai vu une vision. Et je vais prier par rapport à cette vision. J'ai vu une vision. J'ai vu une vision. J'ai vu une vision. Dans la vision, j'ai vu un célibataire, homme ou femme, en train de courir vers le mariage.
Mais trop d'accidents sentimentaux, trop d'accidents sentimentaux, et la personne n'est pas arrivée jusqu'au mariage parce que les mauvaises rencontres qu'elle a faites tout au long de sa vie l'ont détruite, l'ont anéantie. Donc, se sont retrouvés avec des maladies bizarres, des maladies incurables, des MST, des IST, qui les ont rongés, détruits, rendus stériles, etc., etc., etc. Ça ne sera plus ton cas, ça ne sera plus ton sort, au nom de Jésus. Et si c'était ton sort, je brise ce mauvais sort de dessus ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, sors de cette prison, sors de cette prison, sors de cette prison. Toute maladie dans ton corps due aux mauvaises rencontres sentimentales que tu as eues, et à la vie de désordre sentimental, désordre sexuel. Si tu t'engages aujourd'hui à arrêter le désordre sexuel, à te focaliser sur Christ et attendre l'homme de ta vie, la femme de ta vie, abandonner la vie de débauche, de fornication, d'adultère, bien-aimé, à partir de maintenant, tu sors de cette prison dans le nom précieux de Jésus. Sors. Et toute maladie que ta mauvaise vie passée a causée à ton corps, j'implore la miséricorde de Jésus-Christ pour toi, qu'il te guérisse, qu'il te guérisse, qu'il te guérisse. Vous savez, un jour, j'ai rencontré une jeune femme. Elle est venue dans mon bureau. À l'époque, je recevais encore une très belle femme. Elle est arrivée bien habillée. Elle m'a dit, prophète, j'ai un problème. Et c'est même pour ces raisons-là que j'ai arrêté de recevoir les gens. Parce qu'à l'époque, quand je finissais de recevoir les gens, je ne mangeais pas parfois pendant 3 jours. J'étais affligé, je passais la nuit à pleurer à cause des problèmes des gens que je découvrais. La jeune femme est entrée dans mon bureau, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, prophète, Dieu m'a fait grâce de rencontrer un homme, c'est un docteur. Il m'aime tellement et il me parle du mariage et il est tellement engagé. Mais il m'a demandé que nous devrions faire un bilan de santé. On doit faire un bilan de santé. Mais j'ai le VIH. Oh prophète, j'ai mené une vie sale. J'ai mené une vie de désordre. Je recherchais la stabilité. Je voulais me marier. Je croyais qu'en allant avec les hommes, ils allaient rester. Mais chaque homme qui a couché avec moi est parti et m'a fui. Maintenant, j'ai le VIH. Voici l'homme de ma vie, prophète. Je fais comment? Elle s'est mise à pleurer. Moi, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Elle m'a dit, je fais comment? Je lui dis, je fais comment? Je lui ai dit, restez d'abord tranquille. Si vous pouvez repousser les examens, faites-le. Je veux prier avec vous. Vous faites les examens seul. Si ça sort négatif, alors vous partez, vous faites le bilan santé avec lui et vous lui envoyez cela. Combien de jeunes femmes sont dans cette situation aujourd'hui? Combien de jeunes hommes? Tu as rencontré enfin l'amour de ta vie, mais tu as une maladie que si le gars découvre ça ou bien si la fille découvre, elle va fuir. Ça va détruire ton occasion de te marier. C'est cette vision que Dieu m'a montrée. Beaucoup de personnes ont eu tellement des accidents mortels dans la quête de la stabilité sentimentale qui sont des épaves aujourd'hui. L'heure du mariage étant arrivée, ils sont des épaves. Les conséquences de leur vagabondage ont fait en sorte que le mariage, lorsqu'il est arrivé, il ne peut pas consommer leur mariage. Pourquoi? Parce que le diable a ruiné leur vie sentimentale. Bien-aimé, si tu m'écoutes et que c'est ton cas et que c'est par quoi tu es passé, je déclare la miséricorde de Dieu. Je l'implore sur toi qu'elle descende. Oh, le Dieu de la seconde chance. Oh, le Dieu de la seconde chance. Oh, le Dieu de la seconde chance. Mon Dieu, tu es le Dieu de la seconde chance. Mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu de la seconde chance. Donne une seconde chance à mes frères, à mes sœurs. Donne-nous une seconde chance. Que ces maladies qui ont été portées dans les vagabondages disparaissent. Qu'elles disparaissent en ce mois, qui est le mois de la 11e heure. Le mois de l'alliance de la 11e heure. Au nom souverain de Jésus. Que la santé soit restituée. Que ton sang soit purifié. Que ton sang soit purifié, dégagé de toute maladie. Que ton corps, les organes de ton corps, que ce soit les hépatites B, au nom de Jésus, j'implore la miséricorde avec toi. J'implore la miséricorde de Jésus. J'implore que ce meurtrissure te guérisse. Que ce meurtrissure te guérisse. Tu ne vas pas mourir, tu ne peux pas mourir. Je refuse que tu meurs. Je dis non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Cette gloire est ta gloire et tu ne mourras point sans avoir profité de cette gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne vas pas mourir. En ce mois, tu ne vas pas mourir. Même si la date de ta mort était fixée pour ce mois, au nom de Jésus, ta vie sera prolongée parce que notre Dieu s'est souvenu de nous. Il nous a envoyé le mois de la seconde chance, le mois de la restitution. Tes yeux verront le salut de ton Dieu.
Ceux qui attendent ta mort vont mordre la poussière. Tu assisteras à leurs obsèques. Je le dis en tant que serviteur de Dieu. Tends ta main avec moi, si tu crois. Tends ta main. Laisse-moi prophétiser sur toi. Tends ta main. Je déclare et je prophétise que sur la terre aride et maudite, la bénédiction et la grâce couleront. Et que la terre aride devient fertile. Elle devient fertile comme un jardin de Dieu au nom précieux de Jésus. Que le Dieu de Job se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta maison, qu'il se souvienne de moi et de ma maison. Que tout ce qui t'a été volé te soit rétrocédé. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la bonté de l'Éternel soit manifestée. Que la bonté de notre Dieu soit révélée dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie au nom précieux de Jésus de Nazareth. Père, étends ta main et sors-nous de nos misères. Sors-nous de nos limitations. Bénis ton peuple en ce mois, le 11e, le mois de la seconde chance, le mois de la restitution. Tout ce qui t'a été volé, je déclare au nom de Jésus que tu récupères cela en ce mois de novembre. Et je déclare que tu n'entreras point en 2023 avec les frustrations de 2022. Tu n'entreras pas en 2023 avec les limitations de 2022. Tu n'entreras pas en 2023 avec les maladies de 2022. Je t'en supplie, connecte-toi à ce direct et reçois la guérison, la libération de toutes les mauvaises choses, le mauvais héritage de l'année 2022. Nous abandonnons cela devant Dieu, devant la croix. Nous entrons différents, bénis, enrichis de toutes les grâces de Dieu en 2023. Je le déclare dans ta vie. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai déclaré Amen. Voilà, bien-aimé, si tu es en train de m'écouter pour la première fois, tu n'as jamais assisté à l'un de mes directs, s'il te plaît, abonne-toi rapidement. Abonne-toi à la page et clique sur la cloche de notification et aime ma page, s'il te plaît. Abonnons-nous massivement. Et abonne-toi et que la grâce de Dieu et la double portion de toute parole prophétique que je déclare là soit ton partage, le partage de tes enfants. Et s'il y a quelqu'un, tu veux que Dieu bénisse la personne, fasse avancer la vie de la personne, envoie la vidéo à la personne, mais tag la personne, invite la personne à regarder. Ce direct, l'Éternel te bénira pendant que la personne sera délivrée parce que les paroles que nous vous disons sont esprit et vie. Quand je déclare, la chose arrive, quel que soit le pays où tu me regardes, il n'y a pas de distance dans le spirituel, dans ta maison là-bas, au bout du monde où tu es en train de m'écouter en ce moment, la parole qui est entrée dans ta maison, dans ton corps, pour guérir les maladies de ton corps, dans ta vie, pour guérir les maladies de ta vie, dans ta destinée pour la sceller. Et avant la fin du mois de novembre, tu seras changé en un autre homme, en une autre personne. Tu ne te reconnaîtras pas. Les choses vont changer autour de toi. Les événements, on va déblayer toute la saleté autour de ta vie. Là, on va dégager ça tout au long de ce mois de novembre. Dieu se chargera de ton élévation. Dieu se chargera de tes guerres. Dieu se chargera de tes batailles. Dieu se chargera de fermer la bouche de tes ennemis. La honte va s'arrêter dans nos vies en ce mois de novembre. Dieu met un terme à la honte dans ta vie. Avant la fin de novembre, les gens vont t'acclamer. J'ai dit, les gens vont t'acclamer. Tes ennemis vont t'acclamer. Ta famille va reconnaître que tu as fait le bon choix. Non, que Jésus-Christ que tu as choisi là, c'est ce qu'il fallait choisir. Même ceux qui t'ont rejeté te chercheront, ils reviendront. Parce que l'Éternel te rétablira dans ta gloire. Quelqu'un dit Amen, cette parole est pour lui. Et je voudrais dire, bien-aimés, à tous nos abonnés, soyez très très attentifs et en alerte pendant ce mois de novembre. Sois en alerte. Dès que tu as une notification de direct, connecte-toi. Parce que tous les directs seront stratégiques, prophétiquement stratégiques, pour te ramener dans ton héritage. Je veux voir l'homme là qui a dit que tu ne seras rien. Ma parole contre sa parole. Ah, ça c'est clair. Ma parole contre sa parole. Quel nom le veuille ou pas, qu'on t'aime ou pas, qu'on croit en toi ou pas, tu vas entrer dans ta destinée là. Tu vas entrer là-bas. Tu seras restitué, restauré dans ta gloire. C'est parole d'un prophète pour toi. Prends cette parole très au sérieux. Et salmodie-la dans ton cœur. Ressasse-la dans ton cœur. Table-la dessus. Parce que c'est ce qui va arriver. Toutes les paroles de l'Éternel dans ma bouche pour vous seront pratiquées, seront accomplies par les anges de la prophétie pendant ce mois de novembre. Pendant ce mois de novembre. Donc, sois prêt pour un miracle précis dans ta vie. Demain, à partir de 10h, sois connecté. Prépare-moi ton sujet de prière. Dans quel domaine
Tu veux que Dieu intervienne. On va prophétiser sur ce domaine. La gloire de Dieu se relèvera, se manifestera ce vendredi. Connecte-toi à partir de 17h pour atmosphère de miracle. Le premier de ce mois de novembre. Ceux qui seront présents seront très heureux. Ils sont bénis. Et par la grâce de Dieu, dimanche, le 6 novembre, à partir de 7h30 à la Bille. Ce sera puissant à Douala, c'est à partir de 16h. Et partout dans toutes nos églises, dans le monde entier. Et Dieu se manifestera. Du 6 au 10 décembre, c'est le pèlerinage sur le mont Kol Afamba. Je vous en supplie, pour tous nos partenaires, tous nos bien-aimés de l'étranger qui vont être ici en décembre, que Dieu vous garde. Voilà, vos badges, vous attendront sur place. Pour toi qui es sur place, tu peux déjà acheter ton badge. C'est 10 000 francs le badge. Et les badges ne se vendent pas sur Internet. Comme j'ai dit, il y a les arnaqueurs. Quiconque vous contacte au nom du prophète Kanef Ferdinand, c'est pas moi. Je ne contacte pas les gens. Je n'envoie pas les invitations aux gens. Je ne donne pas les prophéties inbox. Je n'ai jamais fait ça. Donc méfiez-vous, ce sont des arnaqueurs. Donc ils vous proposeront certainement des badges en ligne, sur Facebook. Envoyez l'argent, vous avez le badge. On n'envoie pas les badges à quelqu'un. J'ai dit que si vous êtes à l'étranger, vous avez un ami, un membre de votre famille sur place qui peut vous avoir un badge. Ou bien vous voulez l'huile de faveur. On n'expédie pas l'huile de faveur sur Facebook ou bien sur Messenger. Non. Vous avez quelqu'un. Vous envoyez la personne à l'église lors des cultes. Nous n'avons aucun département qui expédie l'huile de faveur aux gens à travers le monde. Non. À l'église, tu envoies quelqu'un qui prend ta bouteille. C'est la personne qui t'expédie ça directement. La même chose pour les badges. Vous envoyez un ami ou bien membre de la famille à l'église. Il prend, il achète votre badge à l'église. Ça ne se vend pas hors de l'église ni sur Internet. Donc ce sont des arnaqueurs. Il y a tellement de faux profils en mon nom. Méfiez-vous. Dehors là-bas, il y a tellement d'arnaqueurs. Que la main de Dieu soit sur vous. Ne manque pas au pèlerinage, mon ami. Regardez comment les musulmans font. C'est nous les chrétiens qui sommes négligents par rapport à certaines choses. Un musulman qui ne va pas à la Mecque, c'est comme s'il n'est pas un musulman. Le plus grand rêve d'un musulman, c'est d'aller à la Mecque au pèlerinage. Donc, s'il te plaît, prends cette affaire très au sérieux. Voilà. Et l'huile de faveur, pour ceux qui sont en Europe, vous avez Mama Bema, son numéro c'est quoi encore? Mama Bema, en France. Voilà. C'est Mama Bema, en France. Mama Bema Albertine, c'est la seule représentante officielle de Rema en Europe. Et c'est elle qui a l'huile de faveur pour tous ceux de l'Europe. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, vous aurez encore son numéro. Donc, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Faites attention. Trop d'arnaqueurs sur Facebook. Donc, que Dieu te bénisse. Merci pour vos prières, pour votre soutien. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h. N'aie pas peur. Novembre, c'est ton mois. Ne dis pas non, c'est fini. Je suis perdu. Non, j'ai tout perdu. Peut-être vous avez tout perdu, c'est vrai. Mais notre Dieu vous fera récupérer plus que ce que vous avez perdu. Je le déclare au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h sur cette même page. Et avant de partir, s'il te plaît, vraiment, si tu m'aimes, tu as été béni, tu n'es pas encore abonné, le plus beau cadeau que je te demande, ce n'est ni l'or ni l'argent. Abonne-toi simplement à ma page Facebook et que la grâce du Seigneur soit sur toi, la double portion aussi. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain dès 10h au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.